Bonjour, alors je m'appelle Cédric Collet, je suis président du Numéripôle et aujourd'hui on est venu avec mes employés du Numérifab présenter nos réalisations, ce qu'on est capable de faire, proposer une solution aux problèmes des gens, notamment au niveau de l'obsolescence programmée, donc toutes les pièces, des pièces simples qui cassent à la maison, qu'on ne retrouve plus dans le commerce, on propose de venir les faire refaire à l'aide de l'impression 3D par exemple, ou tout un tas d'autres outils, ou également pour du prototypage et de la personnalisation. Voilà, donc tout ça, ça se passe au Numérifab à la mairie de Bois-sur-Meuse. Alors, je m'appelle Michel Villeroux, je suis adhérente au club de généalogie de la Meuse. On a la chance son siège est à Bar-le-Duc et on a la chance d'avoir une réunion du club 3 fois par mois, le deuxième samedi du mois et les premiers et troisièmes mardis à la maison des associations à Verdun. La généalogie consiste à rechercher ses ancêtres et à retrouver, donc à remonter dans le temps pour retrouver les grands-parents, arrière-grands-parents, etc. Pour les recherches, on dispose du travail des bénévoles du club qui ont recensé déjà tous les mariages de Meuse, mais aussi pas mal de dates de naissance, de décès. Et d'autre part, on peut se connecter sur Internet, à Google, aux archives départementales. On peut également consulter directement les archives départementales de la Meuse à Bar-le-Duc. Dans le cadre de WebOGreen, on fait des ateliers qui s'appellent Hour of Code. Donc c'est l'initiation au code informatique qu'on met en place dans les écoles. Et donc aujourd'hui, pour petits et grands, il n'y a pas d'âge, c'est des ateliers de 7 à 107 ans et où on apprend avec des modules comme Microsoft a développé avec Minecraft à coder ludiquement.